La statue des Allobroges nous interpelle par son aspect énigmatique et monumental. On voit qu'elle est largement endommagée, elle a été brûlée, puis abandonnée pendant des siècles, puis retrouvée en 1898. Aucune représentation scientifique n'existe à ce jour, puisqu'elle a plus de 2000 ans. Et la question qui nous vient, c'est à quoi pouvait-elle ressembler? C'est pourquoi on a imaginé un dispositif où les gens pourraient contribuer à la représentation de cette statue. Et toutes ces représentations accumulées produisent une image commune grâce à un algorithme. Cette démarche montre que même si l'individu pèse infimement sur l'histoire, lorsque toutes les histoires individuelles se cumulent et convergent, elles influencent la grande histoire. Et donc cette grande histoire est en constante évolution, un peu comme l'est en quelque sorte le travail des scientifiques. C'est-à-dire qu'à un moment il y a des points de contact et que ça fait l'image finale. Ouais.